操第一よーい全力疾走だよ。おい待てよ。もっと早く私の勝ちだ。Bonjour, bienvenue dans Superplay. Je reçois de nouveau Adrien. Bonjour Adrien. Salut. Adrien qui va nous parler de Splatterhouse. Splatterhouse, ouais, un jeu un peu ancien mine de rien, 1988, de Namco. Pour l'époque, bien gore, bien violent. Pas que pour l'époque en fait, j'ai l'impression. Enfin, moi je l'aime beaucoup personnellement, beaucoup de gens lui reprochent son animation, ses graphismes pauvres, etc. Mais honnêtement, le resituant dans l'époque, il était quand même assez joli, musique vraiment très bonne et son stéréo sur PCB. Vraiment, c'était un très très bon jeu et moi je l'adore personnellement. D'accord, tu l'as découvert à l'époque ? Pas du tout, pas du tout. J'étais à peine né pour te dire. Non, voilà. Mais j'ai découvert en fait le 2 en émulation sur Mega Drive. J'ai beaucoup aimé, je l'ai fait. Et puis un jour j'ai découvert qu'il y avait le 1 sur arcade et je commençais justement à m'y mettre, arcade, tout ça, borne. Et donc je l'ai testé, j'ai adoré quoi, vraiment, rien à dire. Donc j'ai commencé doucement, déjà à le finir bêtement, sans score. Oui, ce qui est déjà... C'est faisable, une fois que tu connais le chemin, ouais, il suffit de suivre le chemin là, voilà, à part le niveau 6 donc qui est aléatoire, sinon c'est toujours pareil. Par contre, après, je me suis mis à scorer et là, c'est une autre paire de manches. D'accord, donc là, ce qu'on est en train de regarder, c'est du score. Exactement. Tout le début, en fait, là, donc, grosso modo, survie et score au début, c'est la même chose. Puisque la seule chose qui va vraiment faire la différence, déjà, c'est à partir du boss du 4. On peut un peu le leecher, pas beaucoup, mais un peu. Après, sur le boss du 6, on peut également leecher un petit moment. Mais la plus grosse différence, c'est sur le boss final, où en fait, les très bons joueurs leechent pendant plus de 2 heures. Voilà, d'accord. Je vais faire à peu près 1h45 seulement. Okay. Donc je vais expliquer comment ça se passe tout ça. Là, il suffit d'avancer, de taper bêtement pour tuer les ennemis et récolter du poids. D'accord. Voilà. Et sans leecher, une partie dure combien de temps ? Allez, 20 minutes, on va dire. 20 minutes en time attack, on doit largement pouvoir faire du 18, voire même moins de carrément. Ouais, ouais. C'est un jeu assez rapide, ma foi. Ouais, assez rapide, mais où la moindre erreur ne pardonne pas. Voilà, c'est du positionnement, du par cœur. C'est vrai que là, ça paraît honnêtement très simple, hein. Mais c'est juste que tu te décales un coup et tu vas te retrouver dans une situation impossible à gérer. Et tu perds tes cœurs. Ouais, donc au niveau du gameplay, les cœurs, c'est ta vie. Exactement. T'en perds un quand tu fais toucher et tu les regagnes comment ? Pas trop de solutions. Chaque fois que tu finis un niveau, t'en gagnes un de plus. Mais attention, on a l'impression qu'on peut en gagner 6, mais on peut en avoir que 5 maximum. Ça, c'est un petit piège. Sinon, en haut, on a donc aussi notre nombre d'extinct, enfin de vie vraiment. Ça, les moyens d'en regagner, c'est en gagnant donc des extincts de points. 30 000, le premier, 70 000, et puis donc 120 000. Voilà. Okay. Là, c'est le boss du niveau 2. Un petit poltergeist, ouais. Qui a... hanté pas mal de gens. Enfin, c'est assez étonnant d'avoir un boss qui est en fait une pièce complète, une maison. Moi je trouve ça carrément sympa. Au début, il se couille histoire de faire tomber plein de trucs sur toi. Après, il prend possession de la chaise, des couteaux. D'ailleurs, ça fait rire beaucoup de gens, ça. En effet, le coup de poing dans le couteau, c'est assez original, mais bon, pas poser de questions. C'est vrai que remis dans le contexte de l'époque, c'est... tout à fait étonnant comme jeu. Ouais, moi je le trouve très original, ouais. En plus, on peut donc. C'est sympa de pouvoir prendre les armes.
par terre. Je sais pas si t'as vu, t'avais un hachoir, un bâton, ouais, tout ça. Là, pour avoir un fusil. C'est qui est rigolo. En plus, les ennemis meurent de façon différente. Exactement, exactement. On peut les envoyer dans les murs. Voilà, on peut donc les calquer sur le mur. Plus tard, on aura aussi des, comment ça s'appelle, des sortes de lances. Très sympa. J'aurais bien aimé voulu les tester ailleurs, mais on peut pas les prendre hors des zones prévues pour. Ah oui. Malheureusement, ça aurait été sympa. Donc là, j'explique tout de suite la technique pour ce niveau 3. J'ai récolté, enfin pris, un fusil. Je vais le garder jusqu'au bout, en fait. Pourquoi ? Parce que le boss est vraiment compliqué. C'est, vous verrez, mais honnêtement, l'approcher, ça relève de l'exploit. Ouais. Donc le plus simple, c'est de garder ce fusil jusqu'au bout, et on en aura un deuxième ensuite, juste avant le boss. Après, avec une petite technique, on peut prendre les deux pour les amener tous les deux devant le boss. Et là, c'est une partie de plaisir. Après, enfin, on lâche toutes les cartouches et c'est fini, quoi. C'est fini. Sinon, il faut vraiment gérer avec des coups de pied sautés. Voilà, comme là, celui-là, par exemple. Ouais. Voilà, donc... il faut... En fait, c'est assez simple. Enfin, simple. Il suffit de sauter et de donner un coup vers le bas en même temps qu'on appuie sur le bouton attaque au moment où on touche le sol pour faire ça. D'accord. Et on fait une attaque sautée très puissante, deux fois plus puissante qu'un coup de pied. Ah oui. Et donc là, le boss, là, honnêtement, avec cette tronçonneuse, l'approcher, c'est vraiment très difficile. Et donc, en fait, en faisant des allers-retours bas, bas-haut, j'ai pu prendre les deux fusils. Apporter les deux fusils devant lui. Voilà. Et avec suffisamment de cartouches, donc, pour pouvoir l'achever sans risque. D'accord. Sinon, c'est faisable de le faire avec que des coups de pied sautés, mais c'est super, super dangereux, quoi. Ça sert à rien, alors que t'as deux fusils, autant en profiter. Ouais. Voilà, les harpons. Voilà, les harpons, très sympa. Effectivement. Évitez de tomber dans les trous, hein, parce que avant aussi sur le pont il y avait des sortes de marques lumineuses. Oui. Si on passe dessus, t'as une main qui te chope et qui t'amène dans un niveau inférieur, qui rapporte rien niveau point et qui est super dangereux. Là pareil, si tu tombes, tu vas dans un endroit avec plein de sortes de vers mangeurs de je sais pas quoi, bah, le boss du niveau 1 c'était plein de vers comme ça. Ça sert à rien, quoi, tu gagnes moins de points et c'est plus risqué. D'accord. Donc faut vraiment pas tomber. Là, je commence à faire l'explication, mais dans la salle d'après, en fait, là, vu que je joue sous MAME, parce que malheureusement ma PCB a cramé, donc j'ai dû faire ça sous MAME. Dommage. Ouais, dommage. Et ben, en fait, vu que j'ai pas de joystick, j'arrive pas à faire le coup normalement prêt, enfin qui marche le mieux pour cet endroit-là. Donc là, en fait, il va y avoir des ombres de moi qui vont sortir. Donc voilà, du miroir. Voilà. Donc là, en fait, je fais une technique très basique qui consiste à se retourner devant chaque miroir et à donner le plus de coups possible pour essayer de en caser s'il sort. Parce que c'est aléatoire, hein. C'est tous les 3, 4 ou 5 miroirs. D'accord. On ne peut pas savoir. Donc c'est très basique comme technique et il y a des risques de se faire toucher. Mais sans joystick, j'y arrive pas. Et c'est pour ça que tu vas passer donc une petite vidéo en même temps que je t'ai passée pour montrer la vraie technique, donc qui consiste à sauter par-dessus le miroir, à faire un demi-tour et à faire une diagonale arrière-gauche pour faire le coup de pied sauté en arrière. D'accord. Ce qui donne directement donc deux coups au mec qui sort, et vu que deux coups sont donc deux fois plus puissants, ça fait 4, et vu quatre. Qu'il en faut 3, bah, il clame tout de suite et sans risque. Beaucoup moins risqué du moins que ça. Ils sont plus, beaucoup plus stylés, j'ai découvert ça au Japon. Hein. C'est beaucoup, beaucoup plus stylé. D'accord. Donc au Japon, on y joue encore à ce jeu-là ? Très peu. Très très peu. Je connaissais deux Game Center qu'on avait, maintenant j'en vois plus qu'un. Et encore, j'ai vu vraiment un seul joueur gérer dessus. Quoi. C'est... Quand je dis vraiment gérer, c'est vraiment bien géré. Parce que les mecs qui le finissent, il y en a de temps en temps. Hein. J'en vois tous les jours, souvent, j'y vais, il y a un hall qui traîne. Ça va, mais vraiment le scorer, il y a très peu de gens. Ouais. Très très peu. Donc voilà, là on peut litcher un tout petit peu ce boss si on veut. Les têtes, il faut faire très gaffe, voilà, que je viens d'en manger deux comme une grosse bouse. Parce que les têtes rapportent un petit peu de points. Le truc, c'est que si on attend trop, il va y avoir une orbe qui va apparaître. Qui va venir te tuer. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas trop rester, quoi. Moi personnellement, je la bats tout de suite et voilà. Et dans les niveaux, c'est pas une orbe qui va venir t'embêter, en fait c'est un champ magnétique. Si j'avance pas, et ben en fait très rapidement il y a un champ magnétique qui va arriver derrière moi et qui va me tuer, enfin m'enlever des cœurs, donc qui m'oblige à avancer. D'accord. Voilà. Mais faut aussi noter que ces orbes sont partout. Les orbes donc qui apparaissent si tu restes trop sont enfin presque partout dans le jeu. Je vois pas trop l'utilité, sauf sur les boss comme celui-là, où on peut donc litcher, ça t'empêche de litcher à l'infini. Mm-hmm. Là, c'est une utilité, mais dans les niveaux, j'ai jamais vraiment compris à quoi ça sert, vu que t'as déjà ce champ magnétique qui poursuit. D'accord, et elles arrivent au bout de combien de temps ?
Donc pour chaque niveau c'est différent, mais par exemple le premier niveau faut attendre 2 minutes. Et honnêtement, attendre 2 minutes dans le premier niveau c'est vraiment un tour de force. Parce qu'il faut jouer pour que le champ magnétique arrive le plus lentement possible. On peut en fait influencer un tout petit peu sur sa vitesse de déplacement. D'accord. Et franchement c'est chaud et ça sert à rien quoi, de le faire apparaître. Donc c'est un mystère de Splatterhouse, un des mystères de Splatterhouse que j'ai pas encore compris. Franchement, des trucs comme ça. Il y a d'autres mystères. Ah, le voilà. Ouais, ouais. Voilà, le champ magnétique. D'autres mystères que j'expliquerai au moment, en temps et en heure. Donc jusqu'au stage 5, honnêtement, c'est pas trop compliqué. Stage 5, déjà, faut pas se planter là, à la fin de cette salle-là, il y a le choix entre plusieurs chemins. Franchement, je conseille celui du haut pour deux raisons. Déjà, je le trouve moins risqué, perso, enfin, ça dépend, parce qu'en bas, t'as un nécromancien en fait. J'imagine qu'avec la technique, il y a forcément une technique pour le passer, ouais. Mais moi, je l'ai pas. Et en plus, ça rapporte moins. Donc, ça vaut pas l'intérêt, vaut mieux passer en haut. Donc là, enfin, ça commence à être assez ardu, ça. Voilà, les planches, en fait, elles sont inclinées. Donc, et tu glisses. Ouais. Donc, en fait, voilà, là, je vais devoir ressauter un coup pour esquiver la main. Et hop, ressauter encore un coup pour ne pas descendre, au contraire monter. Donc là, les fantômes, faut vraiment y faire gaffe. Tu les touches une première fois, ils pourront plus te lâcher le crâne sur toi, parce que s'ils te passent par-dessus, en fait, ils vont te lâcher le crâne qui tienne. Et c'est chiant. Donc tu les touches une première fois, une deuxième fois, tu vas vraiment les tuer. Et il y a aussi donc les tableaux. Quand tu les passes et que tu te... au bout d'un moment, il va y avoir la tête qui va sortir. Et c'est très chiant, surtout là, voilà. C'est très serré parce que s'il te touche, il va te faire aller en arrière et te faire tomber. D'accord. Donc c'est vrai que c'est le passage critique du passage D'accord. Voilà. De ce niveau. Donc là, encore des miroirs. Donc normalement, je conseille de faire la technique du coup de pied sauté. D'accord. Beaucoup plus efficace et rentable. Parce que là, en fait, tu as une chance sur deux pour qu'il te fasse une attaque en l'air ou une attaque au sol. Voilà, c'est ça. Et donc je le sais pas. Ouais. Là, par exemple, ça se passe très bien, mais il aurait pu me faire une attaque sautée en l'air et je me laisserais manger. Quoi. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, là, pour éviter les risques, je vais passer tout simplement le dernier. C'est le seul qu'on peut passer. Pour attendre un petit peu que la porte apparaisse, tu passes et là, voilà, t'es déjà invincible, y a pas de souci. Il pourra pas te faire mal. C'est dommage que ça rapporte 3000 points, mais. Donc là, je fais le passage risqué, mais pour tuer le plus de vers possible. Parce qu'en allant devant, en fait, en collant au maximum devant, il y a juste un moment où il faut se retourner pour tuer un vers. Ça passe, sans souci. Mais là, je fais beaucoup plus de points. Juste à la fin, voilà, faut se méfier. Là, il y a un dernier qui sort. Petit coup de pied sauté. Voilà, sinon, on se le mange. La boss du 5, j'avoue, très technique. Faut choper le timing et la distance appropriée. Une fois qu'on l'a, normalement ça passe. Et pour la petite histoire, donc en fait, c'est deux personnes qui sont venues donc, dans un manoir d'un scientifique disparu, un peu fou, je crois. Et donc ils se sont retrouvés emprisonnés suite à un orage dans la maison. Et quand Rick, le héros, se réveille, il a plus sa nana, Jennifer, et il a donc un masque collé sur le visage qui donc lui donne une force un peu extraordinaire. Et donc, il cherche donc Jennifer, il cherche et à la sauver. C'est Jennifer, là. Voilà, enfin, on a l'impression, mais en fait, c'est pas elle, hein, c'est un monstre, tout simplement. Il y a la suite du scénario est révélée donc dans le 2. Très intéressant, très bonne suite d'ailleurs sur Mega Drive, je conseille. Un peu moins fin au niveau du pixel, mais... encore plus gore, je trouve. Ah oui. Voilà, ils ont vraiment fait du bon boulot sur Mega Drive. Parce que déjà là, ça explose de partout, c'est très glauque. Ouais, ouais. Des pièges vicieux partout. Je trouve que ça fait partie du charme aussi. Enfin. Voilà, donc là, à la fin, il fait plus non pas des demi-sauts, mais des tiers de sauts très rapides. Et donc en fait, il faut se mettre assez loin pour pas qu'il puisse te toucher avec les ongles tout de suite, mais assez près pour qu'il soit pas tenté de faire un saut long. Et avec un bon coup de stick bien timé, si je puis dire, allez lui donner un coup. C'est vraiment, voilà, il y a juste la dernière forme qui est dure. D'accord. Donc voilà le stage 6. Là, c'est là que les ennuis commencent, puisque donc c'est un stage aléatoire.
Des bulles vont apparaître de n'importe où et c'est pas prévisible. D'accord, c'est vraiment aléatoire pour le coup. Tout le reste était scripté. Voilà, tu connais ton chemin, il n'y a pas de souci. Là, bah, c'est honnêtement, c'est du skill et de la chance, il faut le dire. Ouais. La chance en fait aussi partie. Mais c'est vrai que j'ai vu le joueur que j'ai vu au Japon gérer. Je l'ai vu dans ce niveau, leecher le boss notamment, et c'est super impressionnant. Quoi. Ouais. Donc là, les petites bulles apparaissent. Quand elles touchent le sol, elles vont donc éclore pour donner naissance à ce machin, je sais pas quoi. Et par contre, si jamais il vient te toucher, il va s'agripper à ton dos. Et là, il faut branler le stick le plus vite possible parce que sinon, il va te drainer ta vie à une vitesse phénoménale. D'accord. C'est... Ah oui, c'est pas un seul cœur là, il peut te tuer d'un coup. Quoi. Ah, pas d'un coup, mais il t'enlève, allez, un cœur par seconde, grosso modo. D'accord. Donc, voilà. Et voilà, donc là, je perds ma première vie, j'avais pas assez de cœur et puis il faut aussi avouer que j'ai pas eu de chance. Hein. Ouais. C'est des fois, tu crois que tout passe, mais non, ça passe pas. Moi personnellement, je traîne pas, hein. Je colle devant pour essayer d'avancer le plus vite possible et finir ce niveau. Hein. D'accord, parce qu'il y a un scrolling imposé, mais tu peux l'arrêter quand tu colles à gauche, c'est ça? Oui, voilà, je peux l'arrêter. Plus je vais coller à droite, plus ça va aller vite, entre guillemets. Et surtout, j'ai découvert que. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a moins de bulles qui vont là où je suis là, actuellement, tout à droite. Il y en a, mais beaucoup moins qu'à tout autre endroit de l'écran. Donc en fait, je prends le risque de rester toujours au même endroit et de prier pour qu'il n'y en ait pas beaucoup. C'est stupide, mais franchement, rester au milieu pour tous les avoir, les trajectoires sont tellement imprévisibles qu'au bout d'un moment, t'en as forcément qui vont t'arriver dessus. Et... Ah, parce qu'elles ne te visent pas spécialement. Non, des fois, puis en plus, elles partent, et puis d'un seul coup, elles vont réaccélérer dans un sens ou dans l'autre. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Extrêmement stressant. Ça oui, c'est le niveau qui est le plus stressant du jeu. Sauf bien sûr, bon, après le boss final à Litché, comme je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, là, tu vois, là, il m'a agrippé. Il a fallu que je rentre très très rapidement. D'accord. En plus, c'est long. C'est très long. Et donc là, le boss, faut pas avoir peur de le coller. Au début, je me disais, si je le touche, il va me toucher. Non, pas du tout. Au contraire, il faut le coller et donner en alternance au bas pour buter le plus possible de bulles qui apparaissent derrière. Voilà. Et après, t'en as donc quelques-uns qui arrive par derrière, donc il faut faire gaffe. Et il dure super longtemps comme boss, il est très très résistant, voilà. Et donc, le mec que j'ai vu, qui faisait plein de points en fait, il se mettait tout au fond à gauche et il attendait que les vagues de bulles apparaissent pour les tuer, mais franchement, j'ai essayé, c'est immonde, quoi. C'est même pas la peine d'y penser. Et grâce à ça, lui en fait, il arrive donc au stage 7, sans avoir perdu de vie et avec donc 5 vies. Et c'est ça en fait qui va faire la différence par rapport au score que je vais faire. D'accord. Voilà. Parce que là, ça va être de la gestion de vie, c'est ça? Exactement, faut gérer ses vies pour leecher le boss final. Ok. En fait, donc, mon objectif au départ, c'était déjà de passer le million, le cap fatidique des millions qu'on pense impassable au départ. Oui, parce que là, on est à 112 000. Voilà, c'est vraiment petit, mais le cap des millions est faisable. Et j'ai mis du temps avant de trouver la technique, mais je l'ai trouvée. Donc tu as trouvé la technique tout seul? Non, pas tout à fait tout seul. En fait, c'est grâce à un site internet sur Splatterhouse. C'est un mec justement qui avait été intrigué par le record officiel mondial qui était quand même de 1 300 000. Et je comprends que le mec est tilté, soit demandé comment faire, et il a demandé au magazine Arcadia qui lui a répondu quelque chose. Mais en fait, c'était pas exactement ça. Ça donnait les éléments principaux. En fait, ouais. Il fallait savoir qu'en fait, il faut attendre au boss final. Et c'est en dormant, en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être comme ça qu'il faut faire. Puisque donc, en attendant au boss final, comme j'avais dit précédemment, il y a une orbe qui va apparaître. D'accord, elle est aussi présente au boss final. Elle est aussi présente au boss final, mais elle apparaît au bout, en fait, de 10 minutes de... comment dire, d'attente, à peu près. D'accord. Grosso modo. Donc, il faut esquiver les coups pendant 10 minutes. Mais avant ça, il faut absolument avoir entamé le boss final jusqu'à son dernier coup. En fait, sur sa cinquième forme, il faut lui donner 6 coups, puisqu'en fait, le septième va lui être fatal. D'accord. Donc voilà, tu l'entames de façon à ce que tu n'aies plus qu'un coup à lui donner, coup qui meurt, et après, donc, tu esquives pendant 10 minutes ses mains, et là, l'orbe va apparaître. Il suffit alors de tuer le boss, se suicider sur l'orbe, et vu que quand tu tues le boss, tu as donc 100 000 points supplémentaires et que tu as un extimb, mais que vu que tu t'es suicidé, tu vas recommencer, et bah, d'accord. Tu recommences ça jusqu'à ce que tu n'aies plus de vie, en fait. Parce qu'il faut signaler que les extinctes ne sont pas illimitées. Ok, voilà. Mais c'est quand même assez tordu. Tu bats le boss, ouais. Il te donne un extend. Voilà. Alors que tu es censé avoir fini le jeu. Normalement. Et mais l'orbe qui est là. Après l'avoir battu, l'orbe te tue. Voilà.
En fait, donc tout est prévu. Normalement, tu tues le boss, bien sûr, tout ce qui est censé pouvoir te tuer disparaît de l'écran. Oui. Mais si t'as attendu suffisamment, cette orbe, elle reste. D'accord. Et elle peut te tuer. Elle peut te tuer. C'est ça un peu le... Le paradoxe. Le paradoxe du jeu, parce qu'au départ, c'est quelque chose qui est censé t'empêcher de glitcher, justement. Mais grâce à ça, tu peux le faire. Donc c'est... Ouais, c'est un peu paradoxal. Et donc, 10 minutes. À peu près 10 minutes, ouais. Parce qu'en fait, à partir du début du niveau, c'est 12 minutes. Donc vu qu'il faut une minute pour passer les rondes, hein, grosso modo, une minute pour l'entamer, bon, c'est 10 minutes, quoi. D'accord. Ah bon, elle arrive, quoi. Elle arrive. Et donc, ça paraît très facile là, de sauter. Il suffit de bien se placer au bon endroit pour être entre les deux mains et sauter quand il faut. Ouais, il y a juste un petit timing à voilà, avoir. Le timing, mais le problème, c'est mentalement et physiquement que c'est très dur, quoi. Parce qu'au bout d'une heure, t'es crevé, t'en as marre et tu fais des erreurs très facilement. Ouais. Et mine de rien, le boss, avant, il n'est pas facile parce que je sais pas si t'as vu ces petits rocs, enfin les petits cailloux qu'il lance, sont complètement aléatoires aussi. Tu peux pas savoir. Mmh. Et il arrive des fois de perdre toutes ses vies dessus parce que t'as pas eu de chance, t'as eu un chemin impossible et voilà. Ouais. Donc quand au bout d'une heure et des bananes tu perds une vie, bah, c'est un peu broutant quoi. Effectivement. Parce que là en fait t'en as pour combien de temps au final ? Donc là au total la partie va durer à peu près 2 heures. J'ai 1h40, 1h45 de leech. Pour 20 minutes de jeu. Ouais, c'est ça. Donc faut être sacrément motivé pour... Ah ouais, j'arrive en Game Center, je pose ma bouteille. Hop, je m'installe et je joue. Et hop, entre chaque boss final, je bois une gorgée. Et hop, on recommence. D'accord. Et donc, voilà. Tu l'as fait vraiment en Game Center, ton... Celui-là, en fait... Ça c'était fait sous Mame. Sous Mame. Je l'ai fait sous Mame avant de partir donc, au Japon cet été. Et donc, vu que cet été, j'en ai retrouvé un en Game Center, je me suis dit, bah allez, je vais refaire quelques parties de temps en temps. De temps en temps, parce que c'est tellement... Oui, c'est long. C'est long, que voilà, il faut vraiment avoir ton après-midi pour y jouer. Et finalement, donc j'ai rebattu ce score-là en Game Center. J'ai fait un peu mieux. Et d'ailleurs, ça m'a permis de comprendre un bug que j'expliquerai à la fin. Voilà, voilà. D'accord. Donc, 2 heures avec la boisson sur la borne. Et une boisson suffit pas, hein, je le précise. Il faut en prendre 2 ou 3, en fait. Ouais, parce que là, tu peux pas aller au distributeur. Ah non, c'est impossible, il est trop loin. T'as à peine 5 secondes entre chaque niveau. Non, c'est mort. Accélérer histoire un peu d'arriver à plonger des souffrances. Voilà, parce que mine de rien, c'est très ennuyeux. Et donc, au bout d'un moment, cette orbe bleue va apparaître et me permet de me suicider. Quand tu le fais, tu vois le temps passer ou t'es vraiment concentré ? Non, au départ, justement, j'essayais de, comment dire, avec une montre, de calculer le temps. Et voilà. Voilà, voilà, donc... Hop, dernier petit coup, et je me tue avec elle. J'ai eu le 100 000 points, un extend. Donc en fait, j'ai pas perdu de vie, en fait. Vu que j'en ai eu un et j'en repère une tout de suite, donc je recommence, et ça me permet donc, de refaire ça. C'est parti. Voilà. Et donc oui, au début, je mettais une montre pour à peu près savoir quand est-ce que c'était. Puis au bout d'un moment, en fait, En fait, c'est plus risqué de dévier ses yeux 2 secondes pour regarder sa montre. Ça m'est déjà arrivé de perdre des vies comme ça, tu sais, tu regardes. Et ouais. T'as la main qui est sortie, et voilà quoi. Donc ouais. Maintenant je le fais plus du tout. Maintenant je sais par contre à quel moment de la musique ça arrive. Ah oui. Parce que la musique je la connais bien. Et donc par contre je ne sais pas à quelle boucle, j'ai jamais fait les calculs de combien de boucles de la musique ça arrive. D'accord. Mais à chaque endroit de la musique, là je fais gaffe, attention elle apparaît. Non elle apparaît pas, c'est bon. Je peux esquiver tranquille, attention, non c'est pas là. Et des fois quand on bout, honnêtement, de 10 boucles, tu te dis c'est là, non c'est pas là, tu te dis c'est long quoi, ouais. C'est très très long. J'imagine. C'est vraiment un petit marathon, hein, faut le dire. Mmh. Ouais, ça va être éprouvant. Hein. Très. Sans plus, voilà, mine de rien, faut rester très concentré. Et ce qui est le plus stressant, en plus de ça, je trouve que c'est le boss, parce qu'à chaque fois tu dois donc le réaffronter, et il faut pas se planter quoi. Avec ces petits rochers, je sais pas d'où ils viennent. Ouais, t'as quand même une phase aléatoire qui est là, voilà. Pour rendre le truc bien stressant. Carrément. Et le plus stressant, bien sûr, c'est la dernière forme où il faut l'achever vraiment quand t'as plus du tout de vie. Oui. C'est là le plus stressant. Bah, parce que je sais pas si je l'ai dit, mais en fait, on peut pas gagner plus de 6 extends sur le boss. Ouais. Au bout du 6e extend, quand tu auras le boss, et ben on en aura pas. Donc
Donc c'est assez bizarre, je sais pas en fait si ça a été prévu par les programmeurs, j'en ai aucune idée. Mais toujours est-il, on peut pas. D'accord, il y a quand même une limite. Voilà. Qui a été fixée. Ouais. C'est bizarre. Parce que bon, à croire que ça n'avait pas été prévu à cause de cette orbe bleue qui permet de leecher, mais en même temps on se dit bah si ça a été prévu parce qu'il y a un nombre d'extincts limité que sur lui. En plus c'est pas un nombre d'extincts limité dans le jeu, c'est vraiment que sur lui. Donc c'est aussi un des mystères, je comprends pas trop. Le fait qu'il donne une vie automatiquement quand on réussit. Fin... Oui voilà, quel est l'intérêt de donner une vie alors que la vie ne rapporte rien? C'est bizarre. Il n'y a pas de loop après, enfin une fois qu'on a terminé, on a terminé. Exactement, c'est fini. J'arrive devant lui, donc plus de vie. Toute erreur, là, bah, là c'est fatal. Quoi. Plus de vie, trois cœurs, t'as plus que ça pour le terminer. Ouais, c'est la misère. Quoi. C'est ultra stressant. Puis donc là, pas de leech. Hein. Bon, bah, tout de suite. Oui, parce que ça rapporte rien. Ça rapporte rien. Puis en plus, voilà, oui, je mourrais stupidement et j'aurais pas d'ending en fait. Ah oui. C'est. Oui, voilà, donc en fait, là, mon but, c'est vraiment d'avoir le million. Et de finir le jeu en même temps, quoi, c'est plus classe. Oui. J'ai déjà fait toucher déjà deux fois comme une buse. Ouais, là. Ah oh, non, c'est. Déjà, le dernier rondin, je sais pas si t'as vu, mais le dernier rondin de bois, il est très traître. Ils sont par deux? En fait, ça, tous, ils se sautent facilement, mais là, ils sont ni par deux ni tout seuls. Ils sont très serrés, donc il faut sauter et revenir en arrière pour suivre et ressauter encore. Ah, ouais. Et ce qui fait que je le foire très souvent, très régulièrement. Donc déjà, j'étais arrivé au boss avec 3 cœurs, là j'en ai déjà perdu 2. Donc là, t'as plus le droit à l'erreur. Ah, plus du tout le droit. Ça fait 2 heures que tu joues. 2 heures que je joue. voilà. Ça y est. Donc là, c'est la libération. Carrément. Ça y est. Parce que ça m'est déjà arrivé voilà, de mourir sur le dernier coup, au bout de 2 heures, y a rien de plus frustrant. Quoi. Vraiment, c'est horrible. Ouais. Donc, tu me disais que tu as bataillé une journée entière pour faire cette vidéo. Ouais, je me suis dit aujourd'hui, allez, je la fais, parce que honnêtement, ça m'ennuyait. Quoi. C'est chiant de jouer sous MAME, je le dis. J'ai la PCB, mais elle est cramée, donc je ne peux plus y jouer. C'est frustrant, mais pour la faire, j'ai donc dû jouer sous MAME. Et je me suis dit, allez, bon, aujourd'hui, je m'y colle et je le fais. D'accord, donc en une journée, tu as eu tous les scénarios possibles de mort stupide. Voilà, pas mal de cris, tout ça. Et puis. Finalement, j'ai réussi tard le soir, et enfin... Enfin. Donc là, j'en profite pour signaler donc un gros bug du jeu, mais fort marrant. En fait, là, quand ça va finir, ça va directement passer à l'écran titre. Je vais pas rentrer dans le ranking ni rien, alors que j'ai quand même sorti 1 million, c'est quand même un score de dingue. Et en fait, pourquoi? J'ai compris ça au Japon quand j'ai rebattu mon score. Le chiffre des millions, certes, s'affiche, mais n'est pas pris en compte. Ce qui est pris en compte, c'est à partir du chiffre des centaines de milliers. Donc là, vu que j'ai fini à 1 120 000, voilà. Ouais. C'est comme si j'avais fait un score de 12 000. Un score nul. Donc en fait, j'ai même pas de quoi rentrer dans le ranking. D'accord. Donc là, j'ai été viré t'es, direct. T'es bazardé directement les voilà. titres. Et donc là, sur donc, l'image qu'on va montrer là, mon record que j'ai fait au Japon, vu que j'ai fait 1 100 000, je rentre dans le ranking. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a un mec qui a fait donc 200 000, mais il est quand même au-dessus de moi.
D'accord, donc lui, il n'a pas leaché et tout, mais il est quand même au-dessus de toi. Voilà, il a juste fini le jeu normalement, mais il est quand même au-dessus du ranking, alors que j'ai fait 1 100 000, quoi. Donc, c'est très énervant. C'est énervant, mais bon, j'en ai ri, en fait. C'est marrant, c'est le genre de bug qui font... Ouais, qu'au bout de 2 heures, t'as plus toute ta tête, on a vu, tu rigoles voilà, de rien. Mais ça m'a permis de comprendre, en fait, et j'ai... parce que c'était chiant, quoi. Enfin, ouais. On score, on n'est pas dans le ranking, et en fait, si, on peut, mais voilà. D'accord. Et là, le truc qui fait sursauter quand on connaît pas. Voilà. Ouais, ils ont mis le son bien fort à la fin. J'aime bien. Bien. Merci beaucoup, Adrien. Eh ben, écoute, de rien. Tous ces efforts. On y a des beaux super plays comme ça. Bon, j'en sais rien. Encore une fois, on peut faire beaucoup mieux. Hein. Le record est donc à 1 300 000, vu qu'il arrive avec toutes ses vies. Mm-hmm. Mon record est donc d'un 1 100 000, mais faire mieux. C'est chaud, en fait, il faut améliorer le stage 6. Ouais. C'est la sécu du skill pur et j'y arrive pas. Donc bon, je me contente de mon 1 100 000. Ouais, déjà, j'ai passé le cap du million. Ouais, et donc là, maintenant, tout le monde peut le faire. C'est faisable. Allez-y, suffit d'un peu d'endurance. Voilà. Merci. De rien. À la prochaine. Salut.